65% des Français s'inquiètent du montant de leur future retraite. Alors, combien toucherez-vous à la retraite et que faut-il faire pour gagner plus ? Je suis Jazira, directrice adjointe d'agence chez SG et je vais vous donner quelques clés pour avoir les idées plus claires sur votre retraite. On commence tout de suite avec la question de Denis. D'où vient l'argent que l'on touche à la retraite ? En France, le système des retraites est financé par le travail des actifs. En cotisant, ils paient les pensions qui sont versées aujourd'hui aux retraités. Ce système se compose de la retraite de base et de la retraite complémentaire obligatoire. Les cotisations sont gérées par différents régimes et caisses de retraite selon que vous soyez indépendant, salarié du privé ou du public. À chacun sa caisse ou presque. Il y a également la retraite par capitalisation qui est une épargne complémentaire facultative. C'est l'argent que vous mettez de côté, soit de votre propre initiative, soit lorsque votre entreprise vous le propose avec sa participation. Comment connaître le montant que je toucherai à la retraite ? Le calcul de la retraite dépend principalement du nombre de trimestres cotisés et des salaires perçus tout au long de votre carrière. Il est difficile de connaître le montant précis de votre retraite avant l'heure, car elle dépend de l'évolution de votre carrière. Et personne ne sait prédire le montant de votre future augmentation, Aline, sauf si c'est vous la boss. Avec le simulateur mis en place par l'État, vous pouvez quand même obtenir une estimation de votre future pension ainsi qu'un âge de départ à la retraite. Pour y accéder, il suffit de créer un compte sur le site Info Retraite. Et pour vous aider à préparer votre retraite, SG propose Mon Compagnon Retraite. C'est un service gratuit qui vous permet de comprendre et d'optimiser le montant de votre future pension grâce à des simulations. À partir de quel âge faut-il s'intéresser à sa retraite ? Un relevé de votre carrière ou un relevé individuel de situation sera disponible tous les 5 ans à partir de vos 35 ans. Vous pourrez commencer à vous y intéresser à ce moment-là, si vous le souhaitez. Que se passe-t-il pour la retraite des auto-entrepreneurs ? Si vous êtes auto-entrepreneur, des cotisations sociales sont prélevées sur votre chiffre d'affaires. Elles vous permettent d'accéder au droit à la retraite de base et à la retraite complémentaire. Un chiffre d'affaires minimum par trimestre doit être atteint pour être pris en compte. Il est différent selon votre activité. N'hésitez pas à vous rendre sur entreprendre.service-public.fr afin de trouver les réponses à vos questions. J'ai 45 ans et je n'ai pas encore préparé ma retraite. Est-ce qu'il est trop tard ? Non, il n'est jamais trop tard, Iman, même si c'est toujours mieux de s'y prendre le plus tôt possible. Mais peut-être que, par exemple, vous êtes propriétaire de votre logement, Iman. Parce que ça, c'est une bonne façon de préparer votre retraite. Achetez votre appartement ou votre maison plutôt que de louer. En effet, une fois que vous aurez terminé de payer votre prêt immobilier, votre budget logement sera fortement réduit. Vous n'aurez plus ni prêt à rembourser, ni loyer à payer. Et c'est intéressant, puisqu'à la retraite, les revenus baissent. De même, vous pouvez vous constituer une épargne que vous toucherez à la retraite. Pour savoir combien placer et ce que ça vous rapportera, si vous êtes client SG, je vous invite à utiliser le service Mon Compagnon Retraite et à en parler à votre conseiller. Quel placement choisir pour avoir un revenu complémentaire à la retraite ? Les Français privilégient l'assurance vie et le plan épargne retraite. Ce sont deux solutions d'épargne complémentaire. Elles peuvent vous permettre de vous constituer un capital pour compléter vos revenus à la retraite. Leurs principales différences sont la disponibilité des fonds et la fiscalité. Le PER permet des réductions d'impôts sur les versements, mais l'argent est bloqué jusqu'à votre retraite. L'argent versé sur une assurance vie est quant à lui disponible à tout moment et vous profitez d'une fiscalité avantageuse à la sortie. Pour vous aider à comparer ces deux placements, je vous invite à regarder notre vidéo « Assurance vie ou PER, quelle épargne pour votre retraite ?» Votre conseiller est bien entendu à votre disposition pour vous les présenter et vous aider à faire le meilleur choix en fonction de vos objectifs. Est-ce qu'il y a d'autres solutions que l'épargne pour augmenter ses revenus à la retraite ? Oui Charles, par exemple, il y a l'investissement immobilier locatif. Il s'agit pour vous d'acheter un bien immobilier pour le louer et ainsi percevoir des revenus complémentaires et réguliers. Votre conseiller bancaire SG peut vous présenter un expert de l'immobilier qui vous proposera des solutions clés en main. Il vous accompagnera du choix du bien immobilier, en passant par son financement, jusqu'à la gestion de sa location. Nous arrivons à la fin de cette vidéo consacrée à la retraite. J'espère qu'elle vous a donné envie d'épargner pour envisager cette étape sereinement. À bientôt dans une prochaine vidéo du 5 des experts.